Et voilà, on est bon. Salut Sarah, salut Evana, comment ça va? Vous allez bien ce soir? Le plaisir de vous voir là. Ça se bat pour la première place, incroyable. Non Sarah, tu fais pas comme Gougou. Gougou, j'ai vu, il triche. Le live, il commence à 22h, il met first à 20h lui. 2h, 1h avant. Lire. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau? Bon, Sarah, je sais que t'es stressée. T'inquiète. Ça va bien se passer. Repose-toi, chill. Et puis demain, voilà. Hein. On passe cet examen-là. Bon, du coup, premier, aujourd'hui, je vais lire le journal de bord. Oui. Promis, je le lis. Non, en vrai, j'ai envie de lire un petit peu le journal de bord. À force, quand même. Il faut que je lance ma VOD, moi. J'ai rien lancé du tout. Oh. Vas-y, je vais prendre celle de Twitch. Donc ce soir, j'aimerais bien déjà décoller d'Atrebois. Non. Choper la station solaire. Ça serait cool. Est-ce que je peux genre les aligner comme ça? Toc. Ah, c'est pas mal là. Un peu vite. C'est pas mal. J'ai rien à station solaire. J'ai une île à Léviat. J'aime bien les voir aussi. Et la lanterne. La lanterne... Si je fais comme ça... C'est pas mal, là. Mais non. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. J'ai quelle hypothèse à vérifier aujourd'hui? J'aimerais bien aller voir sur la station solaire. J'ai pas trop d'hypothèses. Juste, je suis curieux. C'est vraiment juste de la curiosité. Hein. Oh non. On n'est pas perdu? Hein? Hein? Moi aussi j'ai cru de ouf. Ah, c'est pas loin là. Attends, on se remet bien. Prochain passage là. Mais je sais pas trop où me poser en fait. Et la lanterne, parce que j'y suis jamais allé à la lanterne. Je me dis au moins aller faire un tour à un moment quand même. C'est pas terrible là. Cibler un monstre truc là. Hein. Tu fais ça. Oh, c'est pas terrible. Pas loin là, je suis rentré là. Il
Elle est où? Elle est où la station? Elle est là. Oh non. Ah non! Ah. C'est chaud de fou, hein. Je parle pas trop, sérieux, révision. Pas de soucis. Révise, révise. Dernier rush de fin. Prenez ça. T'inquiète. Ça me semblait pas mal là quand même comme méthode là. Essayer d'aligner. On va faire ça. Parce que je sais pas dans quel état. Quelle étagère. J'ai l'impression que si on aligne déjà les sablières avec son bronze, ça fait une belle ligne. C'est pas mal ça. Ok. Et comment on fait pour se mettre en... Ah ouais, c'est ça. En vrai, je sais pas trop. Hein. Se mettre en truc d'atterrissage là, je sais pas. Oula. Oula, 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 oula. Ça va. Kilomètre 5. C'est encore un poil, mais. Ouais, non, tu vois déjà 3-3. C'est vraiment chaud. Non, 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 non. Non. Ça va. Du coup, j'ai envie d'essayer la méthode. Ta méthode pour aller sur la station solaire. T'y es allé manuellement? Parce que je me suis... Sarah me disait qu'elle y était allée, mais pas comme ça. Donc j'imagine qu'il y a une autre méthode. Du coup, bah j'ai envie d'essayer comme ça. Mais bon, ça a l'air chaud hein, quand même. Hein. La merde. Parce que le problème, c'est que j'ai rebondi. Faudrait que je trouve... Enfin, c'est tendu, hein. Faudrait que j'arrive à... balancer l'assiette. Pour me trouver les quatre fers en l'air. Ah, c'est chaud, hein. Je sais pas. On va essayer. Le bourrin, ça a pas l'air de marcher de fou. Je vais essayer plus. Plus tranquille, peut-être. Peut-être plus tranquille. Oula, oula, oula. Attends, on s'aligne. Ça a l'air pas mal comme ça. Ah! Oh. Salut à ça! De se rapprocher encore un peu, mais tranquille. Salut, salut, comment tu vas en ce bon jeudi? Est-ce que je peux suivre ça comme ça? Pas trop. Ouais, je fais n'importe. Comme ça.
Oh, c'est tendu, hein. Ah, ou alors comme ça, peut-être. Suive le mouvement. Ah, je mets là une trouble. Suive le mouvement. Peut-être. Ça. Ah, trop. Et non. Limite là. Comme ça, tac. Abonné le zoo. J'ai pas... J'ai sorti du cockpit. J'ai défait ma ceinture comme un DD. Oh là là, catastrophe. Ah, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud, hein. J'ai envie d'y aller comme ça, quoi. J'ai envie de test. C'est terrible. Tu sais, c'est comme dans les Souls. Où t'as le jeu qui te dit hey, va par là, tu vois, c'est bien, c'est facile et tout. Puis toi, tu as ouais, mais du coup, j'ai envie d'aller là où c'est difficile. Comment je dois pas aller par là? Oh, j'ai envie d'y aller du coup. C'est terrible. Ça va, et toi, bientôt le week-end? Ouais, bientôt le week-end. Bientôt le week-end, je vais pouvoir jouer à Demon's Souls. Ça, c'est bien. J'ai trop envie d'y rejouer en vrai. Envie d'y rejouer en espérant que ce soit un peu moins galère que le dernier stream quand même, parce que le dernier stream quoi, la prison de l'espoir là, c'était le sel hein, quand même, hein. La vache, on va se mentir, même si j'ai fait tous les autres jeux, c'était compliqué, hein. En vrai, la première fois, je pense que c'était pas mal, hein. Je vais essayer de refaire pareil. 3 km 6. On va essayer d'aller jusqu'à 3 km 2. 3, 2. Stop. Trop beaucoup. J'arrive à reculer encore. 3 km, c'est vraiment... limite avant d'être pris par le truc. Putain, je suis pas du tout dans l'axe. C'est terrible. Je suis pas du tout dans l'axe. Je reste comme ça un peu. Putain. Je déviais. J'ai complètement dévié. C'est pas encore ça, hein. Mais j'ai des vidéos. Ah, on a un point de repère, espèce de... Ça bouge. Un kilomètre, c'est vraiment la limite, hein. En dessous, à mon avis, tu te fais aspirer. Non. Hein. Ah.
Ah, c'est mort. C'est chaud. Bon. On va changer un peu. Je vais aller sur les Viates. Faire le... C'est la... l'île de Plox, je crois. Le gars qui a... Merde. Qui a taillé les statues. J'y suis allé avec la tour de distorsion. Et du coup, je voulais la retrouver. Et en fait, je me disais que sur les Viates, le plus simple, peut-être pour trouver une île, c'est peut-être de se mettre dans l'eau, en fait. Plutôt que... On restera à la station solaire, peut-être plus tard. Je sais pas. J'ai l'impression que je vais y passer 3 heures. Et j'ai envie de faire... J'ai pas envie de faire que ça. La soirée. C'est où les Viates? Viates? Les Viates? Ah, t'es là. Mais ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Une station solaire comme ça, là. Tendu, hein. J'essaie de réfléchir à un angle qui pourrait être plus smooth, mais compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, hein. La fois j'ai tourné en rond, je sais pas combien de temps dans les Viates à la recherche de mon île, j'ai jamais trouvé. Et du coup, ah mais attends, j'avais peut-être pas trouvé parce qu'elle était peut-être juste en train de voler. Ah ouais, non, c'est peut-être pas si pratique. Ouais, quoique, oui, on voit un petit peu. Hein. Ouais, je sais pas. Ça se trouve, je l'ai loupé parce qu'elle volait en fait la dernière fois. Possible ça. Hein? Ouais, je sais pas. Ça m'a pas l'air super pratique en fait de chercher dans l'eau. Comme tu peux pas aller trop profond. Et puis de l'autre côté, tu vois rien. Ah non, c'est pas. Moins bien que ce que je pensais. Bon. Chercher comme ça, quoi. Est-ce que c'est pas celle-là? Est-ce que ce serait pas celle-là? Simplement. J'ai atterri quand même sur la piste d'atterrissage. Hein. On marquerait pour une fois. Bah si, c'est celle-là. Oh, bah parfait. Allez hop. Ah, pour une fois. Là, j'ai mis. Je l'ai pas trouvé la dernière fois. J'ai tourné en rond pendant 10 minutes. Et là, paf, je tombe dessus direct. C'est parfait. Alors. Bon, déjà, on va ouvrir la porte. Voilà. On est civilisé. On ouvre les portes. Ouais, gravité. Ah, la gravité x2 sur les Viates, c'est particulier quand même. Normalement, d'ailleurs, une statue Nomai. Ah, tu peux passer? Ouais. Ah, est-ce que ça serait pas genre celle-là? Possible, hein? Parce que du coup, j'ai trouvé Evana, je sais pas si t'avais vu. J'ai trouvé Gabbro, le joueur de Flutio. Qui m'a fait réaliser qu'en fait, comme c'était nos souvenirs qui étaient download par les sondes, bah en fait, moi j'avais dans l'idée que les Nomai étaient peut-être morts de vieillesse parce que les boucles recommençaient, tout ça. Mais en fait, non, parce que la sonde récupère les données et les réinjecte dans les masques. Enfin, ouais, si, c'est ça, les réinjecte dans les masques. Et donc, du coup, en fait, tu reçois les souvenirs d'un futur qui a jamais eu lieu. Donc, enfin, toi, tu vieillis pas au final, du coup.
C'est toujours les mêmes 20 minutes. C'est juste que le futur n'a pas existé. Et qui m'a fait réaliser ce truc-là. C'était déjà pas mal, parce que moi, je m'étais un peu planté. Et... Oui, intéressant. Du coup, c'était très intéressant. Et c'est marrant parce que... Et je crois qu'il y avait Sarah qui en parlait de Gabro. Gabro, c'est qui Gabro? Yaro, accepterais-tu de reculer un peu pour que Da soit plus proche de la statue? Lorsqu'elle se lie à quelqu'un, la statue choisit la personne qui se trouve le plus près d'elle. Ok, donc ça c'est la statue, donc du coup, qui s'est liée à Gabro. Et c'est pour ça que Gabro, lui, il est conscient des boucles. Et du fait que c'est tout le temps les mêmes 22 minutes. Donc ma théorie sur les trois masques, et donc qu'il y en avait un sur les Viat, bah c'était ça en fait. C'était bien ce que je pensais. Donc il reste celui de la... je sais plus, le module de pistage, je crois. Le troisième. Position inconnue. On verra bien. Voilà, ouvert les yeux, ça veut dire que la statue s'est liée à Daz. À présent, qu'il soit dans le système stellaire, la statue de Daz enregistrera ses souvenirs et les enverra au projet Sauvière Noire. Okay. Celui que j'ai eu le plus de mal à trouver. Kissa Gabro ou le module de pistage? Ah mais du coup, ouais, c'est des trucs, c'est des statues qu'ils ont construits eux-mêmes. Quoi. C'est une sacrée technologie, quoi. Le module de pistage. Ouais. Gabrodo. Jouer à ça. Magnifique. Il a ri, oh putain. Chaîné. Il était chaîné. Voilà. Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on fait du rigolage? C'est encore surpassé, n'est-ce pas? Et maintenant que nous disposons de notre premier lien, nous pouvons tester notre prototype de stockage de mnémonique. Donc ça, elle parle du masque. Ce que j'ai pas compris, encore vraiment, et pourquoi ils font tout ça? Ça, ils se font mal au crâne quand même pour... pourquoi? Chaque unité de stockage sera pourvue d'un masque qui n'est autre que le pendant de la statue. Celui-ci pourra envoyer les souvenirs ainsi stockés aux nomailles auxquels ils appartiennent. Ouais, yep. Ok. Et alors ça... Ouais, statue. Ah oui, bah c'est le statue into mask. Donner. Donner statue into mask. Mask into nomai. Nomai into statue. Enfin, into mask. Non, into statue. Ok. Oui, donc ça, c'est le petit schéma pour expliquer le transfert de data. Ok. Mort. Mort. C'est ça. Sablière noire projection. Attends, faut te le mettre là déjà. Qu'est-ce que tu vas nous montrer comme salle? Ah, la salle des masques. Que j'ai déjà vu avec une autre pierre de projection, il me semble. Parce que la première fois que j'ai vu cette salle-là, c'est là. Enfin, à part le... Tu reboot, évidemment. Ça, je l'avais déjà vu, du coup. Et alors ça... C'est quoi ça? Du texte? Oui. J'ai installé les masques à l'intérieur du projet Sablière Noire, Flux. Ils sont magnifiques, même si j'ai un peu l'impression d'être observé, forcément. C'est rassurant de savoir que les statues ne se lieront pas avant la réussite du projet. J'imagine que l'expérience serait difficile à supporter dans le cas contraire. En principe, les statues ne se lieront qu'à la réussite du projet, mais elles s'activeront également pour mesure de sécurité dans le cas d'une défaillance technique. Ah, mais c'est peut-être ça, en fait. Elles se sont liées parce que défaillance. Et du coup, moi, il s'est avéré que j'étais le plus près, et poum. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu avec le projet Sablière Noire, les statues et leurs masques nous avertiront, nous permettront d'y remédier, autrement nous pourrions ne jamais nous apercevoir du problème. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce texte-là.
Alors que je suis jamais venu ici. Ou alors je suis déjà venu et je me rappelais pas. Oh, c'est curieux quand même. Je m'en serais souvenu. À mon avis, tu peux pas. Hein. Eh ouais. Ouais, tu peux pas. Faut attendre que l'île se fasse choper dans l'espace. Je pense pas que ça soit arrivé encore. Normalement, ça va peut-être pas tarder. Ouais, de toute façon, j'ai tout vu à part ce qu'il y a là-haut, là. Dans le cas où. Quand même aller chercher la pierre. Des fois que. Je sais pas. Servir. Vaut mieux partir avec la pierre. Pour en avoir besoin là-haut. Plutôt que de partir sans et puis se rendre compte qu'il fallait aller la chercher. Café mal au secours. Café mal au secours. Comment? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Ouais, sans la tempête là. Elle souffle. TP là. Oh. Ah. C'est des trucs gravitationnels ça. Oh, ils sont malins hein. Ils ont pensé à tout ces petits nomailles là. Incroyable. Rigolo ça. Bon alors, qu'est-ce que ça dit ça? Je suis curieux, envoyer le souvenir d'un être dans le passé, revient-il au même qu'envoyer cet être dans le passé? Ah non. Par exemple, si nous devions envoyer mes souvenirs dans le passé, est-ce que envoyer mon moi, mon enveloppe épique, mon essence, à la place, reviendrait au même? Ces deux actions ne seraient-elles pas en pratique identiques? Supposons que le temps ait été réécrit, je pense que ce serait différent. De recevoir des souvenirs venus d'un futur avéré, mais le résultat n'est-il pas identique dans chacun des cas? Question métaphysique là. Oh, pour moi non. Hein. Enfin bon, je sais pas en fait. J'en sais rien. Bon, on a vu tout ce qu'on voulait voir là. C'est pas mal en vrai. Pas de grosses révélations, mais confirmation de ce qu'on pensait, quoi. C'est déjà pas mal. Bon, par contre, hein, voilà. Merci. Hop. Alors. Tac. Bon bah c'était pas mal cette petite île. J'ai appris des trucs quand même. Je sais pas trop s'il reste des trucs à faire. La station, éventuellement le lance-sonde. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est, il est là. Le lance-sonde, il y avait un fameux... Il y avait un truc dans lequel j'étais pas allé. Ah mais tu peux te poser là en fait. Là c'est station d'atterrissage. Attends je sais. Hop. Complètement à l'envers mais... Comment on fait déjà pour... se mettre en... En truc là? Je sais plus.
Comme ça. Allez, comme ça. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, c'est bizarre, hein. Donc là, on avait un truc qu'on pouvait aller voir. Ouais, ça j'avais déjà fait. Hein. Non, c'est pas là que ça va m'intéresser. Ça va plutôt être à l'extérieur au final. Hein. Alors, oui, s'il te plaît. Laisse-moi, voilà. Contre, j'ai aucune idée de où quoi. Cherche une vitre cassée. Cherche une vitre éclatée. Ça, c'est le lance-canon. Le canon. Sur le côté. Hein. Ça se trouve, c'est un autre débris. C'est même pas dans ce débris-là. D'être de ce côté-là en tout cas. Ah, c'est là. Oh oh. Oh oh. Oh. J'essaye de m'aligner, hein, mais bon. T'as pas l'air. Ah oui, niveau carburant critique, oui. Allez, hop, tant pis. Bon, ça marchera pas. À crever. Juste perdu la traction du truc, là. Après, une fois que tu tournes trop autour, laisse tomber, hein. C'est affreux. Je vais y retourner, je vais pas me poser en fait. Ça a rien de se poser. Pour ce que je veux en faire.
Après, comme truc comme coin que j'ai pas fait, qu'il faudrait que je trouve, c'est la caverne au guet. Ça me donnerait peut-être des pistes pour son bronze. Parce que son bronze, c'est pareil, hein, son bronze, j'ai fait des trucs, mais bon, le dernier truc avec les bulles de savon là. Je comprends pas. Je comprends pas. Les bulles de savon. Vraiment, je capte pas. Bon, c'est Bouléviate. J'ai vu comment la baie. La baie ébréchée. Il me semble que je l'ai aperçue, mais. Aussi peut-être carrière phare endommagé train d'atterrissage passé là je suis pris le truc en pleine face et par contre ouais elle est toute défoncée là, ma machine c'est pilote trop mal j'ai à moitié des feux qui marchent pas. Bon, attends, on va trouver la baie là. Oh non, mais c'est catastrophe. Au secours. Terrible. J'y arriverai jamais. Hein. On défonce là. Ouais. J'ai un don. C'est incroyable. Ouais, non. Attends. Bloque-toi quelque part, fais quelque chose. Pitié. Va te bloquer là, là-dedans, là. Voilà. Hop. Ça qui est pété. Hein. Allô? Eh, les pulseurs. Pulseurs qui sont complètement défoncés là. Forcément, piloter le truc, pourquoi? Bon, ça va être un petit peu mieux. Dingue dingue mais
Moi, je peux me déplacer, quoi. Ok. Fuck. Aligné. Ah, ça y est, il grésille de partout, là, le vaisseau. J'ai mis à rude épreuve, là. Hein. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est pas ça, là? C'est un truc comme ça. Ça, il y en a trois. Ouh. Non, ça, je m'en fiche. Ah, c'est là. C'est là. Là que je veux aller. Dedans. Voilà. Eh ben. Ok. Alors. Voilà, bon, c'est un aller simple. Hein. Le vaisseau, je sais pas où il est parti, mais. Excusez. So long. Partir en vacances. Hein. C'est pas grave. C'est là qu'on voulait aller. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces petites pierres là. Ah bah tiens, module de pistage. Ah bah ça va peut-être me dire où il est. Qu'est-ce que ça nous montre ça? On n'a pas déjà vu ce truc là? Si, je suis déjà venu là. Ouais, j'avais fait ça là. Par contre, ce que j'avais pas fait gaffe, c'est la statue. En fait, j'avais déjà trouvé la statue du module de pistage. Hein. Sauf que j'avais pas du tout compris ce que j'avais trouvé, quoi. Ok. Et alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est le symbole de quoi déjà? Je sais plus. Alors, imagine Privette, le module de pistage sera le premier à connaître les coordonnées de l'œil de l'univers. Oui. Et tu seras la première à les voir. Ok. Cela m'honore et me terrifie. Tu ne vas pas pousser la puissance du lance-sonde orbital à un niveau... Qui l'endommagerait, n'est-ce pas? T'es dans l'idexie, hein. T'en fais pas, mon ami, de toute façon, nous allons tirer qu'une seule fois. Alors, qui se souciera de quelques petits dommages structurels sur le lance-sonde orbital? Oui, donc, clairement tiré à pleine balle, hein. Du coup. Nous ne pourrons pas recevoir les données de notre sonde. Si le module de pistage est détruit. Ah, ça part d'abord au module de pistage, en fait. Ah. Et alors là, est-ce qu'il y a une bouboule activée? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a rien à faire. Là. Tout est pété, de toute façon. Et est-ce que la gravité... Gravité, pas gravité. Non, pas gravité. Il y a autre chose là. Je pouvais y aller sans passer par dehors? Non. Mais non. Non, je pouvais pas. Complètement bloqué. Et donc j'ai bien fait de passer par dehors. Ok. Bon. Je savais qu'il y avait un truc. À sa part. À toutes. J'imagine que ça veut dire que tu es ego. Et bien, à plus tard. Bon,
Et si on peut essayer de rejoindre le module de pistage, on va essayer, hein. Mais bon. Ouais, voilà. C'est dingue, évidemment. Oh. Mais non, je pars pas. Petit jeu de mots, c'est la poilade. La poilade. Ok. Du coup, c'était le module de pistage, je pense, que j'avais trouvé quand j'avais visité le lançon d'orbital. Hein. Je l'avais trouvé direct. Hein. Donc ça c'est quoi déjà? Ah putain, oui, je me rappelle cette pièce-là. J'avais rien compris, moi, au symbole. Mais non. Oui, si tu veux. C'est rien, ça. Module de pistage. Ah non, j'y étais? J'étais? Non, j'y étais pas. Là, j'étais. Ça, c'est accessible. Ah! Ah non, le module du pistage, il est plus là, en fait. Il est disparu. Ça, c'est ce qui était bloqué. Donc là, c'est par là que je suis passé par la vitre. Et ça, c'était... mon tambour, le module de lancement. Ok. Donc le module de lancement, c'est là où j'étais. Et en fait, le module de pistage, eh ben, il a des pops. Alors, soit c'est un autre bout, soit il est tombé dans les viates. Je l'ai pas trouvé. Et ça, c'était quoi déjà? Ça, c'est le module de contrôle. Et du coup... ça, c'est la zone que j'ai vue de l'autre côté. Ouais. Ça, c'est la zone que j'ai vue de l'autre côté. Avec la statue... ah ben non, en fait. Non. Pas la statue du tout. Donc, la salle que j'ai vue de l'autre salle, c'était pas du tout celle-là. C'était bien le module de pistage, en fait. Ouais, voilà, j'étais dans le module de lancement. Ça, c'est le module de contrôle. Ouais, c'est ça. Ça, c'était le module de lancement. Et du coup, du module de lancement, j'ai vu le module de pistage. Mais... ça tient, ça donne quoi si je fais ça? Je vois quoi, là? Alors ça c'est le site de construction du lance-sonde. Ok, ça j'y suis allé déjà. Ah, ça c'est les changements de c'est pour les changements de gravité. Oui. Je vais juste refaire le truc avec les boules là. Je l'ai fait il y a très longtemps. C'est vrai que je me rappelle pas des masses. C'est mieux quand tu comprends un petit peu. Tu vois, tu refais le truc et puis... ah ouais. Ah oui, voilà. Présenter les trucs. Y a pas... ouais, voilà. Il me semblait bien qu'il y avait du texte. Requête de lancement de sonde reçue du projet Sablière Noire. Ouais. Canon aligné sur une trajectoire de sonde choisie. Ouais. Ah, trajectoire aléatoire.
Ah, c'est pas qu'il y a trois directions ou quoi, c'est juste que c'est la trajectoire qui est aléatoire. Et comme à chaque fois c'est un autre futur, bah du coup, c'est une autre direction. Y a pas de destin. C'est ça que le jeu te dit. Pour lui, le destin n'existe pas. Allez. Lance sonde orbitale, requête de lancement reçue, lancement de sonde réussi, module de pistage reçoit des données de la sonde. Structure du lance-sonde orbitale compromise lors du lancement, des dates détectées sur plusieurs multiples modules. Ouais. Rapport d'avarie du lance-sonde orbital. Module de contrôle intact. Ça, c'est là où je suis. Module de lancement hublot fracturé. Module exposé au vide spatial. Module de pistage manquant. C'est ça. Et ça, là, hein, je peux pas le traduire, ça machin, là. Pas l'air. Hop là. Ok. Bon. Module de pistage. De toute façon, s'il est pas là, donc ça va ressembler. S'il est pas là, de toute façon, c'est soit un autre débris. Ça a plutôt l'air d'être un bout du canon. Il me semble qu'il y avait trois débris. Ça, c'est mon vaisseau, ça, non? Non, ce sont bons. D'abord. Et du coup, le module, c'est un truc qui ressemble à ça, normalement. Une plaque de verre, là. Et du coup, ça va être sûrement dans son bronze. Hein. Enfin, non, pas dans son bronze, dans l'Eviat. Probablement, hein. Probablement dans les Viat. Mais je ne sais pas. Quelle est cette plage? Ah bah c'est la plage de Gabrou, ça. Il me semble. Ah, c'est ça. Est-ce que je peux lui faire part de ma découverte? Je lui ai dit ça aussi. Non. Je lui ai tout dit déjà. J'ai encore vu ta fusée. Pas su, bonjour. C'est un rigolo, lui. Il est bon.
Qu'est-ce que je pourrais... Je sais pas. Il y a ma fusée là-haut. Là. Il a pas de bonbonne, lui? Je peux pas se recharger avec lui. On peut pas se recharger en gaz avec Gabrou. Sage. Les autres, c'est une petite bonbonne. Faire le plein. Et lui, il a pas prévu le coup, on dirait. Ah, il y a le site de construction. Ah, bah si, c'est là. Essayer d'aller au sud de construction, tant qu'à faire. Ouais, elle speed l'île là. Le module de pissage est intact quelque part. Après, le problème c'est de savoir où. Cette île là, un moment où... Il y a une autre île encore. Hein. Ouais, à côté là. Il y a toutes les îles là. Alors, celle-là, je l'ai faite. Ah, celle-là aussi, tu me diras, mais. Mais ça fait plus longtemps. Celle-là, ça fait longtemps. Je l'ai faite au début. Je pense qu'il y a plein de trucs qui m'ont pas parlé. Oh, le module de pistage, il doit être quelque part sur les Viettes, hein. Je pense, hein. Bah alors où? Hop, hop, hop. Vous avez le réflexe? Hop. Plus tranquille comme ça quand même, hein. Ça va péter. Le pierre de projection. Ça c'est module contrôle. Ah ouais. Ouais ouais ouais. C'est bon, ça met pas en pause. J'ai l'impression que quand il y a le timer du fin de cycle, tu peux plus pause. Ouais, ça c'est les modules. Oh non, c'est la fin. Ah oui. Bon. Moi j'ai réussi à faire un truc que je voulais faire, c'était aller dans le module...
Pas de contrôle, c'est contrôle, pistage, lancement. Je voulais aller dans le module de lancement. Ça, c'est fait. On a vu le module de lancement, on l'a trouvé. Ça, c'est déjà pas mal. Après, effectivement, il reste le module de pistage. Ça doit pas être loin, en vrai, hein. Mais... Je regarde au début de la boucle. Peut-être que tu le vois. Il me semble qu'au début de la boucle, ça se pète en trois bouts. Et là, en orbite, je trouvais que deux bouts. Je sais pas trop. C'est bien, t'avances bien. Ah ouais? Tu trouves? Je pichais le truc des max, machin. Le truc que je piche pas, c'est pourquoi. Pourquoi ils sont donnés autant de mal? Faire un système de reboot, tu vois. Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Évidemment, derrière. Ça se planquait. Mais ouais, il manque le pourquoi. C'est cool, hein. Mais pourquoi ils font tout ça, les gars? Ils se donnent du mal, hein. Déclencher une supernova et tout. Ouais, ils ont envie, hein. Quand même. Alors, par la droite, les Viat. Bronze, lanterne. Ah, les Viat, je la trouve jamais. Les autres, ça va, mais les Viat, je suis toujours en train de la chercher. Marrant quand même. Elle est là. Et il y a un truc que j'avais vu. Quand j'avais refait, quand j'avais encodé mes VOD, c'était quand j'ai fait mes VOD, j'ai eu l'impression vraiment de voir un truc plonger dans l'atmosphère de Léviat, tu vois. Là, il y a trois bouts. Ça, c'est quoi? Il y a bien les deux modules. Plus un manquant. Est-ce que le manquant, c'est pas celui qu'il y a de l'autre côté, là? Non, c'est un bout du canon. Non, c'est un bout du canon, le troisième bout. Qui serait allé dans les Viat. Il serait tombé, genre. Ça, c'est l'atelier de Plox. T'avais le truc de contrôle. La tour quantique dans la grosse tornade. Il reste une île. Voilà. L'île de Gabon. Pas. Où est-il là?
Ouais, si, c'est ça. C'est l'île de Gabbro. Ouais, il y a trois îles. Quatre. Quatre îles sur Léviath. Je dirais. Je dirais qu'il y en a quatre. Après, est-ce qu'il y a quelque chose dans les tornades là? J'ai passé vite fait, mais j'ai rien vu de. En plus, quoi. Tu vois. Sans plus. Ah, sinon, elle est. Ça a été envoyé ailleurs, hein. Sinon ça a été envoyé ailleurs, hein. C'est possible, hein. Faudrait que je regarde au lancement si elle est pas loin d'une autre d'un autre astre. Je trouve le module de pistage il est paumé dans son bronze, tu vois. C'est possible ça encore, hein. Et puis sinon il reste le noyau. Il y a le noyau de Léviath qui est pas fait. Alors ça. J'ai aucune idée de comment. La force n'est pas toujours. Je sais pas quoi. Faut pas toujours y aller par la force. Faut rien faire. Très bizarre, mais bon. Il a l'air d'être central là. Tu peux pas passer quoi. Ça a l'air bien, hein. C'est quoi ça? Oui, il y a une petite lampe. Ah, c'est une bulle. Juste une bulle. Après, est-ce qu'il y a un truc de l'autre côté? Peut-être, hein. L'opposé, hein, c'est possible. Ah, à l'opposé, c'est la tour quantique. Je peux pas y aller par en dessous, je pense pas. Ah non, il veut pas. J'aille par en haut. Autour de l'île quantique là. Éventuellement un petit passage dans les courants. Un peu, hein.
Bon, ça a pas l'air, hein, quand même. J'imagine qu'il y a un délire avec les méduses. Parce que pour l'instant, les méduses, bah, ils nous font plein de délires avec les méduses, mais... Osef, quoi. Un peu. Méduses. Juste pour l'instant... T'as déjà été à la tour quantique, oui. Ouais, ouais, la tour quantique, je l'ai déjà fait. Après, j'ai fait les puzzles. Et après, je suis redescendu par là. Il y a un trou et je suis tombé là et toc. Et est-ce que ce serait pas une porte en fait? On pourrait ça, hein? En vrai. C'est un bon passage pour aller au noyau de la planète. En fait. Et par contre, est-ce que j'aurais oublié un truc? Pour ouvrir la porte ou... Ah, je pense pas. Quoique, à savoir. Va savoir ce que j'ai pu oublier. Ouais, 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 ça je l'ai fait, je sais plus, assez vite. Hein. Je crois que c'est la première île que j'ai fait, en fait, la tour quantique à Léviat. On met dessus assez rapidement. Ah, grosse tornade. Ah, j'ai eu envie de sauter dedans assez vite en fait. Hein. Ah, ça c'est le puzzle. C'est des... Ça c'est pour monter. C'est des trucs sur les côtés éventuellement. Indices et je sais pas quoi. C'est quoi ça? Il te manque déjà la tour. Hop, 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 hop. Ouais. Ouais. Ouh, ça a piqué là. C'est pas très efficace ça. Ah, puis la gravité là. La gravité x2, c'est chiant hein, sur les viades quand même. Yeah. Mais c'est trop bien la tour quantique. Hein. C'était trop marrant. Hein. Le premier, ça allait. Puis le deuxième. Deuxième puzzle, c'est. J'ai mis un peu de temps, mais j'ai capté quand même. Rebelote. On peut en faire de la varap autour de la tour, a priori, bon, en plus quoi. Et après, ouais, là, l'espèce de plaque au fond, là, elle est quand même... bah tiens, c'est le même symbole que ça. Ça, en vrai, ça se trouve, c'est le truc des six corps. Hein. Parce qu'il y a six ronds. Hein. Je me dis que Siron, ça se trouve il y a un truc à faire, à débloquer, à je sais pas quoi, et puis ça te permet d'avancer, tu vois. Mais voilà. Il y a ce truc là. Mais ça, pour moi, c'est l'intrication quantique. Cette pierre là. Sauf que j'ai aucune idée de où faire le truc de l'intrication quoi.
C'est pour ça que je cherchais l'épreuve, entre guillemets, de l'intrication quantique. Parce que j'ai bien compris sur la lune quantique que c'était important. Mais bon, voilà quoi. Mais pas moyen de mettre la main dessus. Hein. Oh, il est sérieux lui. Enfin. Côté... Un intérêt du côté? Je pense pas. Hein. Pas l'air. Peut-être qu'avec ce que j'ai appris depuis, ce truc-là va être un peu plus clair. Vous êtes souvenu de la règle de l'imagerie quantique? Ouais, pèlerinage. Souvenez-vous, les autres rocs quantiques renferment d'autres savoirs. Vous marchez dans les pas de vos prédécesseurs et votre chemin guidera ceux qui viendront après vous. Et là, je pouvais sauter. Ça m'emmenait dans le trou. Mais je me dis qu'il y a un truc avec ça là. Parce que bon là, il dit juste bon bah GG, salut, bye bye quoi. Il y a ça. En vrai, les fluctuations quantiques peut-être me permettent de trouver l'intrication quantique dans Sablière Rouge. Pour moi, elle est dans Sablière Rouge. Ah bah tiens, ouais peut-être hein, en vrai. Parce qu'il y en a une à Trebois, le machin comme ça. Fragment du bois, inconnu. C'est quoi fragment du bois? C'est d'autres bois? Non, inconnu. C'est vraiment l'inconnu quand elle est plus claire. Chelou. Mais ouais, ça peut peut-être me permettre de... Une balise de détresse. Ah mais c'est pareil, tous ces trucs là je les utilise tellement pas. Capsule de sauvetage 2. Ah donc ça. De sauvetage 2. Je pense qu'il faut que je m'utilise plus l'onduloscope. Je l'ai utilisé au tout début.
Et après, plus du tout. En fait. C'est un peu con parce qu'il m'était vachement utile. Et en fait, je l'ai un peu laissé tomber. C'est sûrement une erreur. Hein. Sûrement une erreur. Hein. Bon, en tout cas, je pense que c'est quand même une porte pour aller dans le noyau de Léviat. J'ai quand même cette sensation-là, de ce truc. Après, comment exactement, bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Mais, j'ai quand même cette sensation-là. Ça. 28 000 km. 28 km. Ça. C'est derrière. C'est billard noir. Et là. Là. Non, pas du tout. Gravité. Et donc ça, c'est la capture de sauvetage 2. Gravité, j'ai une balise de détresse. J'ai pas vu. Et du coup, normalement, sombre ronce aussi. Et sombre ronce, ouais. C'est peut-être ça qui me manque, en fait, à sombre ronce. Hein. C'est la fin. Les fluctuations quantiques. Inconnues. Du coup, si je tag Léviat, ben ça c'est la lune quantique, donc ça je sais ce que c'est cool. Léviat. Bon, Léviat elle est inconnue, sans déconner. Oh, c'est quoi ça? Y'a rien là. 33 km. Je suis où là? Je vois même pas sur la carte. Oh, je suis loin. Loin. Il y a quoi là-bas? Ah, c'est ça là? C'est la station du trou blanc, ça non? Ouais, c'est la station du trou blanc. Ah, j'avais fait gaffe. Je vais voir comme ça aussi. Ouais, c'est rigolo. Joli quand même. C'est beau. Ouais, du coup, il faudrait que je mette un petit peu plus de l'onduloscope, je pense. Par contre, sur Sablière, ça m'a pas aidé plus que ça, quoi.